L'actrice transgenre espagnole primée à Cannes, Carla Sofía Gascón, a déposé plainte mercredi pour outrage sexiste après un tweet de Marion Maréchal, la tête de liste aux européennes du parti d'extrême droite Reconquête, a donc appris l'AFP. Cette plainte, adressée au parquet de Paris, intervient 2 jours après celle déposée par 6 associations de défense des droits des LGBT pour injures transphobes et visant les mêmes propos. Alors qu'a bien pu dire Marion Maréchal pour soulever autant de protestations? Ah ben Marion Maréchal a réagi dimanche sur le réseau social X. C'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. Nous devons en finir avec ce genre de propos, a réagi Carla Sofía Gascón, citée dans un communiqué de son avocat transmis à l'AFP. Pour rappel, Carla Sofía Gascón, âgée de 52 ans, a reçu avec les américaines Selena Gomez et Zoe Saldana ainsi que la mexicaine Adriana Paz un prix d'interprétation féminine commun samedi au 77e festival du cinéma à Cannes pour le film Emilia Pérez du réalisateur Jacques Audiard.